Une année en Chine est une très bonne expérience pour moi. Parce que j'ai appris l'innovation en termes de pratiques agricoles. Tout cela a forgé en moi une nouvelle personne. Cette nouvelle personne que je suis va me permettre de pouvoir apporter ma petite pierre au développement de mon pays. Je me nomme Zigani Saturne. Je suis un agent du ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles de Burkina Faso. Et j'ai grandi au village. J'ai vu que nos paysans souffrent beaucoup. Ils travaillent dur, mais ils n'arrivent pas à avoir de bons rendements. Je me suis dit comment je vais faire pour changer la situation de vie de ces paysans-là. Je suis actuellement en Chine pour des études en master en agriculture et dans le cadre de la collaboration entre la Chine et les pays africains. Quand nous avons quitté Beijing et nous sommes arrivés à Qizhou, j'étais étonné. Qizhou est développé en termes d'infrastructures plus que certains chefs-lieux de nos régions au pays. Aussi, quand je suis arrivé dans le centre de recherche, ce centre aussi m'a beaucoup impressionné. Ils ont des laboratoires bien équipés de pointe qui permettent aussi de faire toutes sortes d'analyses. Mes activités quotidiennes, je vais d'abord au niveau de la serre pour arroser mes plants. Voilà, ici j'ai des petites activités telles que les mesures, les paramètres des plantes, je fais ces activités-là. Et après ça, je vais dans ma parcelle expérimentale dans laquelle je travaille sur les techniques de production de mil. Donc là-bas aussi, je fais des activités. On fait les opérations de semis, les entretiens aussi des cultures. Je suis vraiment très fier des résultats que j'ai obtenus. En mes temps libres, je fais le sport particulièrement. C'est en Chine que j'ai appris à faire un sport qu'on appelle le badminton. Je pratique ce sport-là avec mes camarades chinois. L'ambiance avec nos camarades chinois, c'est très bien. Et quand on a besoin de quelque chose, ils nous aident. Donc cela a permis notre intégration facile dans ce centre-là. Et ça facilite vraiment notre apprentissage. J'ai aussi des amis paysans avec qui vraiment on collabore très bien. J'ai appris beaucoup de choses avec eux. Which kind of crop is grow? Ils sont vraiment accueillants et aussi chaleureux. Quand tu vas vers eux pour échanger avec eux, ils sont ouverts. Actuellement, il y a un paysan qui m'a même invité de venir séjourner dans sa ferme pour qu'il m'apprenne à utiliser les machines agricoles. Ce que j'ai appris ici va me permettre de pouvoir être efficace en termes d'innovation agricole dans mon pays, en termes de transfert de connaissances envers les paysans pour qu'ils puissent améliorer leur production, avoir plus de rendement et aussi améliorer leurs conditions de vie.